Être humble quand on a le pouvoir, c'est se mettre au service des autres, et ainsi de suite. Mon frère, retiens juste qu'être humble, c'est choisir de s'humilier. Être humble est une noble humiliation. Sois humble, et toutes les portes te seront ouvertes. Fin de citation. Le lieutenant-colonel de gendarmerie, William Kombali, a étendu sa biographie avec deux nouvelles œuvres intitulées « Le crime des traditions » et « Une balle dans le moral ». Ces œuvres ont été dédicacées le 21 novembre 2023 à l'occasion de la rentrée littéraire du Jardin des Saveurs situé à Ouagadougou 2000. Connu pour sa plume assez poignante, l'auteur offre une fois de plus à ses lecteurs des œuvres de belle facture. « Le crime des traditions » est un best-of qui regroupe des nouvelles majeures autour du thème de la violence faite aux femmes. Préfacé par Bernadette Dawo-Sanou, écrivaine et première femme ministre de la Culture du Burkina, Une balle dans le moral est une poésie alliant développement personnel et motivation. Une balle dans le moral, c'est vrai que c'est de la poésie, mais ce livre se veut être un livre de poésie qui motive. Et le titre Une balle dans le moral, c'est comment se relever après avoir pris une balle dans le moral. Comment rebondir lorsqu'on a touché le fond. Donc c'est un livre de développement personnel et de motivation. Dans ses œuvres, William Kombali aborde des thèmes en rapport avec la société burkinabé. Si vous prenez le crime des traditions, il y a les violences faites aux femmes, il y a la lutte contre les mutilations génitales féminines, il y a l'infidélité conjugale, la perte de l'identité culturelle, il y a les tourments de l'esprit. Si vous prenez une balle dans le moral, il y a la résilience, il y a le pardon, il y a la paix. Donc c'est tous ces thèmes-là que j'aborde dans les deux œuvres. Pour la préface de l'œuvre « Le crime des traditions », l'auteur a fait appel à l'artiste musicien Louis Salif Kieketa Dismarty. Il explique ce choix peu ordinaire. La première fois que j'ai eu contact avec Louis Salif Kieketa, c'était en 2006. Dans la nouvelle Marie et tout, qui a été primée à la francophonie et qui est devenue le crime des traditions, il y avait un poème en acrostiche, c'était mis Chantal sauve nos filles. Parce qu'en 97, quand on prenait part à la francophonie, la marraine de ce concours-là, c'était Madame Chantal Rompo. Et je ne pouvais pas mettre le nom de quelqu'un en acrostiche dans mon œuvre. Donc, mais je ne voulais pas parler moi-même. Et quand j'ai écouté la chanson Le sentier de la tragédie de Yélène, je me suis dit que c'est ce texte-là qu'il me fallait dans cette œuvre. Et j'ai cherché son contact. Et j'ai appelé ce matin, j'ai dit, j'ai besoin de votre texte. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, il va m'envoyer le texte. Et il m'a apporté le texte. Et j'ai mis ça dans le crime des traditions. À la fin, quand vous voyez, il est lourd, tout le poids de ses préjugés, c'est un extrait de la chanson de Yélène. Et c'est ce matin qui m'avait donné le texte. Paru chez Séprodif, ces deux œuvres sont disponibles dans les différentes librairies. Le crime des traditions coûte 5 000 francs CFA et pour s'offrir l'œuvre Une balle dans le moral, les lecteurs devront débourser la somme de 4 000 francs CFA. L'auteur sera par ailleurs mis en vitrine cette année à la Foire internationale du livre de Ouagadougou Philo du 23 au 26 novembre 2023. Malgré ses capacités, un pauvre qui vit modestement n'est pas forcément humble. Un subordonné qui regarde son chef, qui respecte son chef, n'est pas humble. Être humble, quand on est riche, c'est éviter la condescendance et être généreux.